Salut, bienvenue dans la 7e vidéo. Alors aujourd'hui, c'est isolation des murs et du plafond. On laisse un peu le neveu de 12 ans se débrouiller et franchement, il y a de l'idée tant dans la cotation que la découpe. Et pour info, tous les plans de cette vidéo, c'est lui qui les a filmés. Alors là, on coupe des petites bandes d'ArmaFlex de 10 mm d'épaisseur. Ça sera pour mettre sur les montants latéraux avant de mettre l'ArmaFlex de 32. J'ai décidé de faire ça comme ça. Je trouve qu'il y a moins d'espace vide où on n'arrivera pas bien à bourrer d'ArmaFlex.
tous les corps creux dans les montants, je vais les laisser vides, l'air ça isole bien aussi. Et si par-dessus je recouvre avec de l'ArmaFlex en 10 mm d'épaisseur, sachant qu'il fait par vapeur, il n'y a aucun risque qu'il y ait de la condensation qui se crée ici. Quand je vous dis que l'air est un très bon isolant, en fait, pour comparer les isolations, on compare la valeur lambda, c'est la conductivité thermique. Et plus la valeur est faible, meilleur est l'isolant. Donc l'air a un lambda de 0,024. Et tous les isolants que j'ai cités là ont un lambda supérieur. Donc ils isolent théoriquement moins bien que l'air. Donc si dans les corps creux, on forme un caisson plus ou moins hermétique, l'air, elle isolera tout aussi bien que si on bourre les corps creux de laine de roche, par exemple. Et après, là, je vous ai listé différentes isolations. Donc, il y en a, il faut faire attention, ils ont besoin d'un pare-vapeur. C'est pas le cas pour le multicouche, ni pour l'ArmaFlex, ni pour le polystyrène. Mais pour le Biofibre Trio, il faudrait théoriquement un pare-vapeur. Quand on compare les isolations, des fois on voit la valeur R, c'est la résistance thermique. Et comment on la calcule, bah ça dépend du lambda et de l'épaisseur en mètres. Donc c'est R égale épaisseur en mètres divisé par lambda. Donc on peut voir par exemple dans mon cas de l'ArmaFlex de 32 mm avec un lambda de 0,034, ça me fait un R, donc une résistance thermique de 0,94. Plus cette valeur est haute, meilleure est l'isolation. Mais juste pour info, la RT 2020 pour les habitations, elle préconise pour les murs une résistance thermique supérieure ou égale à 4. Et pour les combles, une résistance thermique supérieure ou égale à 8. Donc même en mettant une isolation de 32 mm, on est loin de ce que préconise la RT pour les habitations. Donc j'ai envie de dire, peu importe l'isolant qu'on choisit, par exemple en 32 mm, ça varie de 0,97 à 0,82. Donc quoi qu'il arrive, on est encore très très loin de ce qu'il faudrait dans les habitations. Donc c'est pas énorme la différence. Alors moi j'ai choisi l'ArmaFlex pour la facilité de pose. Contrairement au liège projeté où il faut un compresseur, un truc à crépir pour le projeter. C'est beaucoup plus simple à poser. Après, l'avantage du liage projeté, c'est qu'on arrive bien à en mettre partout, mais à lui seul, il suffit pas pour faire l'isolation. Parce que si on fait deux ou trois couches, on arrive à aller, on va dire, 5 mm. Ça fait une résistance thermique que de 0,13. Donc, quoi qu'il arrive, il faut encore rajouter quelque chose. Et sur le liage projeté, l'ArmaFlex, il collerait plus dessus. Donc, on serait obligé de passer soit sur du multicouche, qui est franchement galère à poser, ou alors la Biofibre Trio, mais il faudrait rajouter en plus un pare-vapeur. Donc ça fait beaucoup d'étapes. C'est pour ça que j'ai préféré mettre de l'ArmaFlex, je le colle, c'est fini, ça fait pare-vapeur. Et je me casse beaucoup, beaucoup moins la tête. Et pour un résultat plus ou moins satisfaisant. L'inconvénient, c'est sûr, c'est le prix de l'ArmaFlex. Multicouche, quand je dis que c'est galère à poser, c'est à cause des différentes couches qu'il compose. Si on met n'importe quelle vis à travers le multicouche, on aura tendance à le déchirer, il va s'enrouler autour de la vis. Donc par la suite, s'il faut rajouter une vis ou quelque chose, ben dans l'ArmaFlex, on perd son vis, il n'y a aucun risque de déchirer l'isolation à l'arrière. Et si on déchire l'isolation du multicouche, il n'y a forcément plus de pare-vapeur. Voilà, ça explique un peu pourquoi j'ai décidé de mettre de l'ArmaFlex plutôt que autre chose. C'est principalement pour la facilité de pose. Mais dans tous les cas, on n'arrivera jamais à une isolation parfaite dans un fourgon. Ça, c'est l'éclipse des baguettes noires à l'extérieur et j'ai lu sur internet qu'il y a de l'eau qui pouvait s'infiltrer par ici. Mais il faut savoir que le constructeur, il a prévu des trous d'évacuation là en dessous. Donc justement, si on bourre d'ArmaFlex ou de laine, on va emprisonner l'humidité. Tandis que moi, je vais recouvrir en ArmaFlex en 10 mm d'épaisseur. Donc s'il y a de l'eau qui s'infiltre par les petits clips, elle ressort, comme c'est prévu par le constructeur, par les trous d'évacuation. Ici, il y aura fenêtre, une baie projetable de 800 par 500. Sur les montants, pour l'instant, je ne mets pas d'isolation. J'attends de mettre les inserts et les montants. À l'arrière, j'attends d'avoir mis la sortie de chauffage du trauma et l'entrée du GPL. Et de ce côté, le remplissage d'eau et la prise P17.
l'isolation de la capucine, j'utilise uniquement les chutes que j'ai du sol et des murs. Je laisse un accès à la connectique et à l'antenne GPS et lors du plaquage de la capucine, je ferai une petite trappe d'accès pour pouvoir la changer si jamais elle casserait. Dans la prochaine vidéo, on posera le lanterneau ventilé. Allez, à plus, ciao!